Coucou famille. Il y a longtemps, j'ai. Moi et mes lives, là, je vous préviens jamais. Moi, je suis une gawazo. Bonsoir famille. Voilà une petite vidéo pour vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis, voilà, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de me poser, pas de musique, et puis vous parler un peu, vous remercier encore du fond du cœur pour. Pour les souhaits, les vœux que vous m'avez, voilà, m'avez, comment dire ça, souhaité lors de mes 10 ans de mariage. Comme je vous l'avais dit, la Saint-Valentin, là, c'est un seul jour, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui se sont arrangés pour faire des histoires à leur femme, même le jour de la fête. C'est un seul jour. Les autres jours, là, après, l'on fait comment? Donc, c'est pour cela que je disais que la fête de l'amour, c'est tous les jours. L'amour, c'est toi. Tu es né, tu es une pierre précieuse de Dieu. Tu dois t'aimer, tu dois t'accepter tel que tu es, parce que tu es une pierre précieuse. Et ce soir, mon message, c'est à l'endroit des femmes mariées et même celles qui ne sont pas encore mariées. Toi qui es mariée, il faut être fière de ton statut, parce que je vois beaucoup de choses qui se passent sur le net. Il ne faut, faut pas perdre ta valeur, faut pas perdre ta confiance en toi. Il faut être fière d'être mariée. Tu es titulaire, tu es titulaire. Le mariage, celles qui ne sont pas encore mariées, Dieu va faire votre miracle. Le mariage, là, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Dieu donne sa grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que celles qui sont mariées sont mieux que celles qui ne sont pas encore mariées. C'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Elles n'ont pas encore trouvé la bonne personne. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'amour que vous me portez. Donc, c'était pour vous dire qu'on doit s'encourager mutuellement, on doit se valoriser mutuellement. Et puis, la vie de couple n'est pas toujours facile, c'est ce que je dis là. C'est pas parce que je danse tous les jours, c'est pas parce que je ris tous les jours que la vie est rose. Je ressens ce qui est bon en moi, ce qui me fait vivre. Parce que pour moi, c'est une thérapie aussi, c'est ce que je dis. Et les 10 ans de mariage, là, c'est Dieu. Parce que si c'est Dieu, il n'y a pas Dieu dedans, là. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne dis pas que je suis parfaite, je dirais pas que mon mari n'est pas parfait, mais les qualités de la femme sont beaucoup, hein. Vous, les hommes sont comme des enfants, c'est ce que je dis tous les jours là. C'est une femme qui fait le mariage, mais il faut être à deux. Généralement, on accuse toujours la femme, c'est la femme, la femme. Je me dis que non, je ne suis pas d'accord. Je me dis que la relation, là, il faut être à deux. La femme va tout donner, elle va s'investir, elle va se sacrifier pour ses enfants. Si l'homme n'est pas là, là, elle fait comment? Et vous, il y a des gens qui disent que, ah, à cause de son mari, ou bien à cause de lui, elle a cessé de vivre. Elle n'est plus heureuse. Est-ce que vous avez déjà aimé l'amour? Est-ce que vous avez déjà aimé l'amour? L'amour, c'est vrai, c'est l'amour est tellement. On dit quoi? L'amour est belle. Enfin, hein, mon français. Enfin, je veux dire que l'amour qu'on peut porter à une personne peut être indescriptible. On n'arrive pas à expliquer, en fait. Donc. La personne, on peut voir une personne qui aime son mari ou bien sa femme tellement, on se dit, est-ce que c'est normal? Comment elle peut aimer jusqu'à ce point-là? Elle aime, c'est-à-dire que l'amour, c'est l'amour que Dieu lui a donné. Elle aime son mari, elle ne sait pas comment elle va faire. Donc, qu'elle est dans le chagrin, là, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer. Ne dis pas à cause de, à cause, c'est pas à cause de. On ne se marie pas pour divorcer, c'est ce que je dis toujours. On ne se marie pas pour divorcer. Tu vois une personne qui est dans le chagrin, qui est dans la peine, là. C'est pas une mince affaire, hein. C'est pas une mince affaire. Donc, vraiment respecter. Enfin, quand je dis, on dit non, quand toi tu es marié, si tu es marié, il faut te respecter. C'est vrai, il faut te respecter d'abord. Mais respecter les femmes au foyer. Respecter une femme, les femmes au foyer. Parce que c'est pas une mince affaire. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Maintenant que nous sommes grands, avant qu'on voyait les mamans du quartier, on se dit, elle fait quoi avec son mari là? Le monsieur la fatigue, il cherche des femmes dehors, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et puis on attend la maman qui dit, je suis la cause de mes enfants. Ça, effectivement, c'est à cause de ses enfants. C'est pas à cause des biens, c'est surtout à cause des enfants. À cause des enfants. Donc vraiment que Dieu bénisse tous les couples, Dieu bénisse tous ceux qui sont dans des relations, même si vous n'êtes pas encore marié légalement, même si vous n'êtes pas encore doté que vous êtes dans une relation. Vraiment Dieu vous fortifie, Dieu fasse que ça parte jusqu'au bout. Et puis voilà, beaucoup de bonheur pour tout le monde.
Et puis, vous prenez bien soin de vous et puis vous dire que je vous aime. Je ne prends pas toujours le temps de répondre à vos messages parce que vraiment, j'en reçois tellement. Et je vous demande pardon. Je vous remercie et puis je vous demande pardon. J'essaie, mais je n'y arrive pas. J'ai les enfants, j'ai mon mari, j'ai la famille. Vraiment, c'est difficile. Il y a le stress d'ici, il y a la vie d'ici. Vraiment, c'est pas facile. Donc, vraiment, en direct, je vous dis encore merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse pour tout l'amour, tous les beaux messages que je reçois chaque jour que Dieu fait. Dieu vous bénisse. Maintenant, en inbox, là, vraiment, je vous demande pardon. Les trucs qu'on envoie, les messages qu'on envoie, il faut envoyer à telle personne, à 10 personnes, sinon après, tu vas... Pardonnez, ne m'envoyez pas ça. Il y a des gens aussi qui m'envoient des messages où on fait des vidéos où il y a la violence. Tu ne m'apportes rien. Vous surchargez ma boîte à messagerie et puis je rate les messages de belles personnes. Les gens, ils m'écrivent, je n'arrive pas à lire. Il y a une jeune soeur qui m'a envoyé des boucles d'oreilles. Tu m'as envoyé des boucles d'oreilles. Pardon, si tu vois ma vidéo, redonne-moi ton nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne retrouve pas nos conversations. Je vais mettre les boucles d'oreilles sur la page. Et puis, vous pourrez aller, voilà, passer vos commandes aussi chez elle. Prenez bien soin de vous. Et puis, Ange, merci aussi pour ton boubou. Ève, voilà, merci pour les draps. J'ai reçu les draps. Vraiment, elles sont très jolies. Enfin, un drap. Les draps, ils sont très jolis. Ah, français, moi, ils parlent suédois. Si vous faites là, vous moquez de mon français. Là, moi, il n'y a pas les suédois. Vous allez voir. Voilà, les draps sont très jolis, c'est bien arrivé. Et puis voilà, comme tu as dit, il faut compléter, c'est tout. Et puis voilà, plein de bisous à toutes les femmes qui se débrouillent, qui essaient voilà, de trouver leur chemin chaque jour que Dieu fait. Voici mes oiseaux. Eux là, ils n'ont pas de problème. Oh. Ils ne payent pas maison, ils sont là. Tous les jours, là, c'est, ils se mouillent sur moi. Pardonnez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, je ne vais pas être trop longue. Et puis... Pardonnez, allez-y liker ma nouvelle page parce que c'est là-bas que je vais faire les directs, c'est là-bas que je vais faire les dégammages. Donc, vous savez, je serai plus active sur ma page Alice Distributrice Automatique de Joie. Voilà, c'était tout pour ce soir et puis prenez bien soin de vous. Et puis, encourageons-nous les uns les autres. Tous les hommes ne sont pas ce qu'ils sont. Il y a de belles personnes. Les hommes sont des amours aussi. C'est pas, ne diabolisons pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont bien. Donc, faut pas mélanger tout le monde dans le même panier. Et puis, voilà, que Dieu bénisse chaque famille. Que Dieu vous bénisse. Dieu permette à chacune de rencontrer une belle personne, une belle âme qui pourra prendre soin de vous. On a tous droit au bonheur. Et puis, toi qui n'es pas encore marié, toi qui n'as pas encore d'enfant, Dieu va le faire. C'est-à-dire que c'est vrai que le temps presse. Peut-être que tu te sens seul. C'est normal. C'est ce sentiment qui est normal. Tu regardes la vie de tes camarades. Tu peux envier, mais juste un peu. Juste un peu. Puis, prier pour ton bonheur. Prier à ce que Dieu te donne. Parce que si tu commences à jalouser, Dieu va augmenter le bonheur de l'autre. Pour toi, te laisser. Mais si tu dis, ah, Seigneur, je veux devenir comme ça, vraiment, pardon, réalise mes voeux, donne-moi la grâce, donne-moi la force de pouvoir tenir. Tu vas voir que Dieu va faire ton miracle. Tu ne sais pas quand, mais il va le faire. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Voilà. C'est pas facile, hein. Tu n'es pas dans la situation, tu penses que c'est facile. C'est quand tu es dans la situation, tu comprends. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse richement. La page s'appelle Alice Hanson, distributrice automatique de joie. Voilà. C'est moi qui distribue la joie. C'est vrai que même si je distribue la joie, il y a des fois je pleure. Il y a des fois je ris, il y a des fois je tombe, mais je dois toujours me relever. Voilà, pour ma famille, pour les enfants, pour voilà, ma maman, pour ma famille en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, parce que quand je danse, là, c'est pas pour rien. Moi-même, là, je vous ai dit encore, ça me fait du bien. Parce que les réalités de Bengue sont vraiment, vraiment présentes. La solitude. Il n'y a pas d'amour ici, en fait. L'amour est froid. Donc, je ne parle pas de l'amour de famille. Hein. Enfin, avec l'hiver, avec le froid, on ne voit pas de frères africains. Enfin, on ne se fréquente pas trop. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, si tu ne trouves pas de repère, là, tu vas rester dans ta maison aigrie et finir par devenir sorcier. Ou bien sorcière. Donc, j'essaie de trouver des trucs pour, voilà, me donner la joie de vivre, me donner la force d'avancer. Voilà. Et puis, il faut toujours avoir Dieu au centre. Parce que si tu n'as pas Dieu, là, tu n'es rien. Tu es perdu.
Bonne nuit. Allez-y dormir maintenant, les couches tard. À couper haut. Et j'ai même pas pris le temps de. Et puis encore merci pour tous vos messages, vos commentaires. Oh. Vraiment que Dieu vous bénisse richement et puis abondamment. À couper haut. Et puis allez-y sur ma page, pardonnez. Alice Hanson, distributrice automatique de joie. C'est moi qui distribue la joie. Ou bien. Chacun a sa spécialité sur Facebook. Oh. N'est-ce pas? Bisous et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit sous la protection divine et puis demain sera un autre jour. À couper haut. Je coupais. Ou bien, de danser un peu. Mais lundi, non. Bisous, ce sera pour une autre fois. Que Dieu vous bénisse.